Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. I'm back, oh yeah, enfin je suis de retour après de telles emmerdes, nom de Dieu, putain, ce matériel informatique à la con m'en a fait, voire de toutes les couleurs. Ah oh, putain, je crois vraiment que les composants avec lesquels j'ai le moins de chance, bah, c'est tout simplement les disques durs. Ah oh, putain, ça m'en a fait baver. Mais bon, franchement, je vais vous raconter l'histoire. Avant que je parte à Paris, j'étais parti quelques jours, le disque dur, enfin ça faisait déjà depuis le début de l'été que le disque dur commençait à péter un petit peu un câble, je sais pas, il faisait n'importe quoi, ça faisait complètement bugger Windows, enfin, c'était un peu la merde. Et juste avant de partir à Paris, je vous ai dit, voilà, je me casse pendant quelques jours, juste au moment où on a passé les 3000 abonnés d'ailleurs, hein. C'est à ce moment-là, je suis revenu, j'ai ouvert mon ordi, écran jaune, le truc répondait pas et tout. Heureusement, j'avais fait les sauvegardes sur mon disque dur externe que je venais d'acquérir juste auparavant. Donc ça allait, bon, il me manque quelques trucs malheureusement. J'ai vu ça, donc j'ai allumé mon ordi, j'ai vu ça, j'ai éteint, hop, on l'a retiré, on l'a emballé, on l'a envoyé direct chez les compères là de Western Digital. Et pendant des nouvelles qu'à partir de lundi, là, de cette semaine, hein, à savoir là que je fais cette petite vidéo, on est le samedi 13 septembre, il est 23h, oui je sais c'est hyper tard, enfin super tard, entre guillemets, c'est pas très très tard, mais bon voilà, on se comprend. Donc j'ai eu des nouvelles qu'à partir de lundi, donc ça faisait à peu près, deux semaines, hein, deux semaines sans nouvelles. Bon, apparemment le truc, c'est que le support est basé à Budapest, enfin, faut pas que je me gourre, c'est pas Bucarest, c'est Budapest, donc c'est en Hongrie. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant deux semaines. J'étais là, ouais, attends, c'est bon. L'adresse qui était indiquée sur l'autocollant sur le colis, il y avait marqué destination Charles de Gaulle, quoi, là où il rassemble le fret. Bon, au début, j'avais pas tilté, mais oui, je me suis dit, ouais, c'est pas en France, mais bon, quand même, deux semaines pour arriver en Hongrie. Donc, le truc, c'est que j'ai eu des nouvelles qu'à partir de lundi. J'ai écrit au support, sauf que évidemment, le support. Ce qui est marrant aussi, c'est que le support m'a répondu un jour après. J'ai écrit. Attendez, je vais vous refaire l'histoire. J'ai écrit le week-end dernier au support parce qu'on était là. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin. Est-ce que le collier est perdu? Est-ce que je vais devoir en racheter un autre? Et là, le lendemain, paf, on sent un message. Le disque dur a été reçu et Western traite ma demande et le lendemain la réponse au mail. J'étais là, bon d'accord. L'autre qui était, enfin le mec du support qui me disait, ouais, filez-moi le numéro de série machin, on va faire une investigation et tout. Pour au final on lui a répondu que non, au final le truc était arrivé. Bref, c'était un peu la merde. Et en l'espace de deux jours, les amis, j'ai été prévenu lundi qu'il était arrivé. Et en l'espace de deux jours, mardi, mercredi, enfin, oui, deux jours et demi, de Budapest à Talence, il est arrivé, ben, en deux jours. Voilà. Il est parti mardi, je l'ai reçu jeudi. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. La FedEx, ils ont fait fort parce que quand je vois avec Top Achat. Enfin, pas qu'avec Top Achat, mais genre avec UPS ou d'autres conneries comme ça, la Poste. Ça a beau être en France et pas très loin, ça te met 5 jours, et encore, des fois, voilà quoi. Bon, je suis méchant, des fois c'est plus court, mais... Et là, quand tu vois de Budapest à Talence, enfin, là où j'habite, oui, vous savez maintenant où j'habite, ouh. Et en deux jours et demi, j'ai été là, bon... Ok, en deux semaines j'avais pas eu de nouvelles et là en l'espace de trois jours je le reçois. Bref, voilà, du coup, oui, je vous ai pas raconté l'histoire non plus parce que quand j'ai retiré le disque dur, le SSD ne voulait plus booter. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi, il devait y avoir un fichier boot, bah, y a un truc qui a été endommagé. Et je croyais que c'était
cause du fait que j'avais viré le disque dur. Donc je me suis dit, ouais, bon, allez, j'ai un ordinateur portable à côté sous XP, là, le vieux, qui sert encore, autant l'utiliser, quoi. Et puis au final, donc voilà, je suis resté pendant 2 semaines avec le portable, ça faisait bizarre sur un petit écran. Mais là, je l'ai reçu, donc je l'ai placé, je l'ai remis hier, et là, ça a rien réglé en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est ok, je me fais pas chier, je formate le SSD, je réinstalle Windows, je fais un truc clean, complet. Comme ça, je ne me ferai pas chier parce qu'il y avait sûrement plein de merde en plus sur le disque dur. Là, j'ai fait un truc clean et j'en ai profité là, on est samedi, j'ai téléchargé tous les jeux sur lesquels je faisais des séries, sauf un, The Witcher, mais bon, il pèse très lourd. Donc je le réinstallerai d'ici demain. Mais pour l'instant j'ai réinstallé SimCity, Civilization, Divinity, j'ai installé plein de trucs, enfin les trucs principaux. Ça fait un grand nettoyage du coup aussi le fait de plus avoir de données, parce que là il y a plein de jeux auxquels je jouais pas, du coup je les réinstalle pas. Là ce que je suis en train de faire, c'est que je m'installe les Sims 2, oui, hein. Avec la sortie des Sims 4, ça m'a donné envie de jouer aux Sims 2, puisque j'ai eu la possibilité d'avoir la Master Collection gratos, vous savez, là cet été sur Origin, ils offraient la version, la Master Collection des Sims 2 sur Origin, du coup je me suis fait plaisir, et là je suis en train de la télécharger. Voilà, donc j'ai à peu près tous les jeux, à peu près toutes les saves, sauf pour quelques jeux. Je crois que pour Prison Architect, je n'ai plus les saves malheureusement. Mais c'est pas grave, ça tombe bien, je vais pouvoir recommencer comme ça, avec de nouvelles mises à jour. Qu'est-ce qu'il y a pour... Ah oui, pour Civilization 5, du coup, en multi, j'avais des vidéos. Juste avant de partir à Paris, je me suis rendu compte que j'avais oublié de les mettre sur mon disque dur externe, et en rentrant, j'ai oublié de le faire, puisque de toute façon, ça marchait pas. Le disque dur était foutu, donc bon, voilà, j'ai pas pu au pire. Bon, vous aurez un petit trou entre ce qu'on va tourner après avec Anamu, parce que là, faut qu'on s'y remette. Vous aurez un petit décalage, mais ça se verra pas énormément. De toute façon, c'est du Civilization, c'est pas comme s'il y avait un scénario. Ensuite, voilà, en tout cas, ça va faire plaisir de pouvoir retourner des vidéos en sachant, que ça marche sans bug, sans rien, que la vidéo va se terminer, que je vais pouvoir continuer de filmer avec le Shadowplay, voilà. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Vous avez peut-être pu remarquer aussi, je viens de le faire, je l'ai fait dans l'après-midi, que j'ai changé le design, enfin le logo et la bannière, donc toujours un truc simple, coloré, voilà, un truc fait maison. Hein. J'ai fait ça en 2 secondes, voilà, c'est pas compliqué, mais au moins, c'est agréable à regarder, c'est léger, c'est pas trop chargé, il y a pas de 3D superflu à la con, là. Voilà. Je vais peut-être refaire les miniatures, peut-être les overlays, je sais pas. Et puis peut-être retravailler l'intro et l'outro. À voir. À voir si j'ai le temps. Voilà. J'ai fait l'acquisition de plein de petits jeux grâce au bundle pour pas cher. Vous allez voir, j'ai plein de jeux de gestion. Je vais vous faire plein de vidéos détente, hors série, présentation sur d'autres jeux de stratégie. J'ai bien envie de faire des vidéos assez travaillées là-dessus. Vous allez voir, là, je vais revenir en force. Aussi, bien sûr, au niveau de la rentrée, hein, parce que bon, c'était la rentrée, vu que moi, je suis au lycée hôtelier. Donc, bien sûr, comme vous savez, j'ai passé mon bac, mais bon, je suis au lycée hôtelier. Je fais une mise à niveau pour rentrer en BTS. Pour ceux qui voient ce que c'est comme formation, comme cursus, donc ce qui fait que j'ai les... je commence en même temps que les lycéens, parce que j'ai un statut d'étudiant, mais voilà, je me plierai quand même du lycée. Donc c'est-à-dire que rentrer le 3 septembre, hein, comme les lycéens et les collégiens, je sais, ouais, peut-être un jour près, bref, c'est pareil. Et voilà, donc j'avais un peu peur au niveau de l'emploi du temps. Je me suis dit, ah putain, ça se trouve, je vais absolument pas avoir le temps. Mais au final, franchement, ça va. J'ai juste à m'organiser, parce que c'est un peu différent de l'année dernière. Mais j'aurais juste à m'organiser un peu, et normalement, ça devrait être pareil, hein, que l'année dernière. Presque quasiment une vidéo par jour, éventuellement. Enfin, ça reste à voir. En tout cas, si vous voulez savoir, le lundi, je finis à 15h, donc là, pas de soucis. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec la formation que je fais au niveau du travail personnel à fournir à la maison, c'est pas très compliqué. Et c'est pas, genre, par exemple, c'est pas des dissertes ou des exposés, des trucs assez longs, machin, complexes, où il faut bosser à mort, non. C'est des trucs assez simples, et c'est des trucs très intéressants. Hein, ça touche à tout ce qui est la cuisine, l'histoire de la cuisine, la technologie culinaire, la technologie, l'hôtellerie, l'hébergement, enfin voilà, c'est mon univers, la voie dans laquelle je me dirige, hein, bien sûr.
enfin c'est génial, hein, je peux vous le dire direct. J'ai commencé les TP cuisine de 5h, voilà, parlons-en. Attendez, juste avant je vous dis les horaires du début de semaine. Donc 15h le lundi, ça va, 16h30 le mardi, donc je commence une semaine pépère. Par contre le mercredi je finis à 18h. Bon, ça va, hein. 18h c'est pas voilà, c'est pas la mort, hein. Je peux quand même tourner après, hein. Le jeudi je finis à 20h, enfin 19h30 dans ces eaux là, 19h selon si on bosse ou pas avec, parce que vous savez en cuisine vous travaillez en équipe, donc ça dépend à la vitesse à laquelle on travaille. Si on travaille vite, on finit plus tôt, et si on travaille lentement, on finit un peu plus tard, mais maximum c'est 19h30 20h. Mais pour l'instant on a fait que 18h30, donc bon, après on verra. Le vendredi je finis à 17h, mais là voilà, le vendredi c'est fin de semaine, donc il n'y a pas de souci. Voilà, le seul jour à la limite c'est le jeudi. Bon, j'aurais peut-être un peu la flemme, je sais pas, à voir. Mais bon, j'aurais pas beaucoup de travail à faire pour le lendemain, puisque le vendredi j'ai cuisine 5h. Bon, là c'est du service, par contre on sert à des clients au restaurant d'initiation, c'est comme si on avait un resto mais d'initiation. Et j'ai juste un cours de gestion et un cours d'allemand, mais l'allemand on fout absolument rien. Donc voilà, j'aurais pas de boulot, voilà, je pourrais faire des vidéos. Le mercredi, je pense aussi. Non, voilà, normalement c'est nickel, j'ai le temps pour faire des vidéos. En tout cas, j'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée, pour ceux qui rentrent au lycée, pour ceux qui commencent les études, la fac, tout ça. Tranquille, vous êtes même pas rentrés, bande d'hommes foirés. Enfin, je dis ça, mais moi, vous n'aurez pas vos vacances. Ben ouais, parce que moi, je commence tôt, je suis au lycée, mais au moins, j'aurai toutes mes vacances scolaires. Enfin, exception près, je vous en parler juste après. En tout cas, j'aurai les vacances de la Toussaint 2 semaines, les vacances de Noël 2 semaines, les vacances d'hiver 2 semaines, les vacances de Pâques 2 semaines. Ouais, bon, en fait, j'aurai toutes les vacances scolaires de 2 semaines. Juste petite info, j'ai un stage en entreprise. En fait, il faut savoir que je finis les cours à partir des vacances de Pâques. Ce qui fait qu'en gros, c'est mi-avril, début avril, j'aurai fini mes cours. Et à la fin, début mai, à la fin des vacances de Pâques, tac, j'embraye direct sur mon stage de 4 mois, donc 16 semaines. 4 mois, c'est-à-dire de mai à mi-août, enfin vers le 20 août. Ouais, c'est pas tout à fait 4 mois, mais c'est à peu près, voilà. Donc de mai à août, stage de 4 mois. Donc j'ai à peu près, j'ai une petite idée de là où je vais aller, donc j'irai sûrement à Paris. Je vais voir, j'ai trouvé un truc intéressant, ça tombe bien, qui répond à mes attentes, mais bon, c'est pas encore le moment de choisir les stages, hein, mais bon, ça me fait plaisir déjà qu'il y ait un stage qui me plaise, mais, avant même de les choisir, quoi, qui répond à mes attentes. Voilà, donc ce sera probablement dans un hôtel, et j'espère que j'aurai la place d'emmener mon ordi. Pour l'instant mon projet, voilà, c'est ça, c'est d'emmener mon ordi avec. Ouh putain, mon écran s'éteint. Ce sera d'emmener mon ordi, normalement il y aura pas de... Enfin, si c'est dans un hôtel, je serai logé dans une chambre client, mais voilà, j'espère qu'il y aura au moins un bureau, une table où je puisse caler mon ordi. Je m'achèterai un micro casque et je pourrai vous faire des vidéos. Après, au niveau de la connexion internet, je sais pas si ça sera vraiment super optimal. Au pire, j'aviserai à ce moment-là, je ferai peut-être de la 720p ou alors des vidéos plus courtes. Enfin, on verra. On verra, ça ce sera pendant tout l'été, donc vous voyez, j'aurai pas de vacances d'été, mes vacances seront en septembre, oui, j'aurai 3 semaines, enfin un mois en septembre, donc là ce sera comme les mecs de la fac, je commencerai hyper tard, mais j'aurai pas eu de vacances d'été de tout l'été, mais bon, après ça me plaît, donc moi ça me pose pas de problème. Bon là je vous ai complètement raconté ma life, mais bon, hein, c'est le retour, ça fait 3 semaines, là. Ah oui, aussi, au sujet de la vidéo que je vous ai postée sur avec le fond vert. C'était la veille de mon départ, j'ai fait... allez, vert, j'ai jamais fait vert, j'ai mis un truc blanc. Bon, moi, évidemment, j'ai un grand écran, donc je vois, mais c'est vrai que sur portable... Enfin, mon portable aussi est très grand. Oui, j'ai un portable de 6 pouces, vous allez dire, quoi, mais c'est n'importe quoi, 6 fois trop grand, oui... Mais le truc, c'est que moi, je vois du coup sur mon téléphone, je vois sur mon portable, je vois même sur ma PS Vita. Bon, je l'accorde sur certains portables, sur certains écrans, genre de 3,5 pouces ou 4 pouces.
ça se voit pas. Du vert fluo sur le... enfin du blanc sur du vert fluo, je vous l'accorde. C'était pas la meilleure des idées. Mais bref, vous avez au moins pu voir le 3K, hein. Il était magnifique, voilà, venons-en. On venait de passer les 3000 abonnés. Et là, on est 3 semaines après, on est déjà, hein, vous vous rendez compte, attendez, je me mets la chaîne. On est déjà à 3237 abonnés, un truc de ouf, alors que j'ai posté aucune vidéo, c'est vraiment abusé. Donc là, ça commence vraiment à monter de plus en plus, donc vivement les 4000 abonnés, hein. Je sais pas en combien de temps on va les faire, peut-être en un mois, un peu moins, je sais pas, on va voir. On verra, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super. Voilà, donc la reprise de l'activité se fera à partir de cette semaine, là, du début de la semaine. Hop, j'embraye direct, paf. Je vous promets du contenu dès le début de ce... Enfin, peut-être pas dès lundi, mais ça reste à voir. Parce que demain, je serai pas dispo, donc je pense pas que je vais tourner. Mais à partir de mardi soir, puisque oui, j'ai toujours pas la fibre, hein, je vais peut-être changer. Ah oui, bonne nouvelle, je vais peut-être changer d'opérateur et avoir la fibre. Mais pas la fibre de Guignolo, une assez bonne fibre. Enfin, ça dépend sur qui je vais, soit chez Free, soit chez Numérica. Bon, après, ça dépend des offres, hein, vous savez. Si ça se fait dans les prochains mois, alors c'est absolument pas sûr, hein. Mais mes parents, ils font, ouais, faudrait qu'on le fasse. Mais on ne fait pas la rentrée, mais... Voilà, donc c'est très probable, enfin, c'est pas improbable que j'ai la fibre d'ici dans quelques mois. Ce serait vraiment génial, parce que alors là... Je vous raconte pas, on pourrait enfin faire des lives. Ah tiens, parlons des lives aussi. J'aimerais bien faire un live, vu que j'ai une webcam. Un live pseudo FAQ. Donc pas un live où je joue parce que c'est vraiment trop crade. Ou alors un jeu où ça bouge pas, quoi. Et un live où vous me posez des questions, voilà. Et puis moi je réponds. On pourrait faire ça. En vous montrant ma sale tronche avec ma webcam. Je sais pas, faudrait voir. Voilà, en tout cas, bon, ça fait déjà 17 minutes que je blablate. Donc cette vidéo se termine ici, hein, voilà. Petite vidéo information pour vous annoncer le retour. I'm back, motherfucker. Ça fait du bien de retrouver son petit ordi. Ah là là, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu ronronner. Enfin voilà, n'hésitez pas donc à laisser un j'aime sur ce... Enfin, faites ce que vous voulez, hein, c'est une vidéo, on s'en fout complètement. Voilà, donc sur ce les amis, je vous dis bonne nuit parce que pour moi il est 23h, enfin bonne nuit, je vais pas me coucher maintenant, hein. Mais bientôt parce que je suis crevé, oui, le lycée hôtelier, je peux vous dire que ça crève, et qu'à 15h quand vous avez, à 14h quand vous avez cuisine, 5h le matin, je peux vous dire que à 14h vous êtes déjà en train de roupiller. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, allez, salut à tous.